Bonjour tout le monde, ici Gizmo64. J'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, ça va super bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur Beyond Good and Evil. Et je vais en même temps laisser un peu mon son ouvert, mais vous ne l'attendrez pas. Parce que la dernière fois sur Hello Reach, j'ai un petit bug de son. Voilà, si vous pouvez éviter que ça se reproduise puis savoir d'où vient le problème aussi, ça venait juste de Hello Reach Whenever. Mais bon, et aujourd'hui, les potos, petite vidéo, 2 pour 1, vous allez avoir 2 vidéos, 2 live streams, parce que voilà, j'étais pas là hier et je rattrape un peu le temps perdu. Et on commence aujourd'hui avec un jeu qui a bercé mon adolescence, ça s'appelle Beyond Good and Evil HD, un excellent jeu d'Ubisoft. Je sais pas s'il s'en vient bientôt. Mais bon, sinon, vous allez découvrir un nouveau jeu. Et c'est parti, je vous laisse profiter de la vidéo. La guerre est aux portes d'Ilis. Une armada d'hommes s'est massée autour de cette paisible planète minière du système 4. Le général Keck, commandant suprême des forces Alpha, souhaite adresser un ultime message à la population. Amis Iliens, le combat va être très rude, mais grâce aux sections Alpha, vous pourrez... Saute! Préviens Paige, j'active le bouclier. Allez, allez! Bouclier activé. Bouclier désactivé. Il manque 350 unités. Sur votre compte Optima, votre alimentation électrique vient d'être verrouillée. Vrai. Merci de votre compréhension. Rentrez dans la maison et... Oh.
C'est tellement bon, je veux dire des codes, les portes sont trop cool. Ce bout là, ben, ça va aller quoi? Un truc qui me dérange par contre, là, ils disent que le jeu il est pour... Ils disent que le jeu il s'éteint plus, je sais pas pour mettre ça pour en faire sur YouTube, est-ce qu'il est... Ah, on va pouvoir payer la réparation de l'Overcraft avec ça! Les gamins ils vont être traumatisés, c'est moi okay, tout à l'époque j'ai été traumatisé quand j'ai vu ça, à l'époque les araignées pis tout, mais bon, j'ai des frissons en tout cas. Mais je pense que je passe cette vidéo-là, ça doit se reposer aux enfants personnellement. Mais bon, une perle d'Aramis. Bravo, Yad. Mais fais gaffe, il te fait un check-up mais après bon. Le combat. Et apparemment, un truc a pénétré ton enveloppe psy. Section Alpha, patrouille 21. Tout danger est écarté. Vous pouvez remonter sans crainte. Là, le pont, ouais. Moi, c'est ça qui... C'est ça qui me dérange un peu avec la loi. La loi, c'est que c'est pas... Le fait monétaire, parce que moi, Noé, je vous dis tout de suite, avec transparence, je touche rien des vidéos que je fais. Ça, c'est, je fais ça par pur plaisir. Moi, ici, sur Elis, la guerre vient encore de frapper la population civile. Heureusement, nos troupes d'élite sont une nouvelle fois intervenues à temps. Je me trouve actuellement au refuge du phare sud. Ici, quelques enfants dont les parents ont été capturés par les Doms sont revenus par deux Iliens au courage et au dévouement exemplaire. Mademoiselle, un commentaire pour nos téléspectateurs. Ouais, ben vous êtes vraiment pas les plus rapides, messieurs les super-héros. Continuez à vous la couler douce. Et la prochaine fois, il y aura plus grand chose à sauver par ici. Coupé. Hé, hey, t'énerve pas, Pépé. Tu vas te faire du mal. Bon, allez, les gars, on plie. Go! Merci, Paige. Sans toi, je... Jade! Jade! T'as dû ouvrir le
Jeanne! Jeanne! Comment te sens-tu, ma petite? Ça va, Paige. Ça va. Toujours pas de courant? Non. Et avec le bouclier en rade, on va pas tarder à se faire bouffer par tous les voraces du secteur. Ma écoutez-moi, c'est pessimiste. Votre serviteur, Segundo, a trouvé la solution pour le fric. Segundo, on est bloqué ici. Pas d'overcraft. Pas de bouclier. Ah, wow. Optima nous a coupé le courant. Plus de fric sur le compte. Les unités, je vais les faire tomber du ciel, ma poupée. Écoute un peu, la directrice du centre scientifique, elle veut recenser tous les animaux de la planète. Elle paye cash pour n'importe quel portrait de bestiole. Tiens, tu vois par exemple cette bestiole là-bas, tu la prends en photo et crac, annule le jackpot. Même ton chien l'intéresse, belle. Pas encore un de tes plans foireux, Segundo. Faudrait te faire réviser les circuits. Qui peut bien s'intéresser à ce genre de truc? On est en guerre, mec. Mais tu comprends rien à rien, hein, les porcs. Le contrôle des espèces, c'est importante. Jade, récupère ton appareil BAC et tu vas voir si le Segundo il a les processeurs en purée. Allez, ciao, Bella. Je m'en vais. Ciao. Jade, j'ai retrouvé ton appareil. Je te l'ai mis juste là. www.ilianews.com. Appareil en phase. Ok, Yad, c'est à toi de jouer. Est-ce que j'ai hâte vraiment de jouer au 2? Le 2, il y a de la écœurant, là, sérieux. Bonjour, Jade. S'ils font pas, ils font pas évidemment du fan service. S'ils font pas du fan service, c'est sûr, ça va être écœurant, là. Parce que Ubisoft commence à faire du fanservice avec tous ces jeux-là, je sais pas, mais bon... pas tout, mais la plupart, là, c'est... Ça avance vraiment bien. C'est bon, Yad, il transfère les fric à ces minables d'Optima Service. Ça s'appelle Jad, l'autre il appelle Yad. Ok, ouais. Électricité rétablie. Merci d'avoir choisi Optima Service. Bouclier activé. Bon travail, Jade. Je vais voir au hangar si tout fonctionne. Rejoins-moi là-bas dès que tu peux. Pas de courant. On dirait qu'il y a une mission pour toi. Jade, reportage. Même disque de mission en attente. Notre devoir de citoyen et nous invitons à participer à l'effort de guerre en rejoignant les sections Alpha. Ils nous auront tous ces sales d'hommes. On va tous y rester. T'inquiète pas. Dames, c'est des ici, Alpha, vous êtes à l'abri. Les aliens du jeu. T'as tout des champs. Jade, reportage. M-disque de mission en attente. Chargement, c'est vraiment pas long. On vient de recevoir sur M-Disc du boulot pour Jade Reportage & Co. Si tu peux le lire maintenant, ça me permettra de régler ce foutu lecteur décrypteur qui refuse d'obéir à son maître. Ça y est! Franchis les champs protecteurs. Je t'ai infiltré dans ta
Ok, y a-t-il la gare. Bonjour, mademoiselle. Je suis mandaté par monsieur de Castellac. Cette guerre est une catastrophe pour nous tous. Aussi, monsieur de Castellac aimerait vous confier une mission particulièrement délicate. Si vous acceptez, veuillez vous rendre au plus tôt à l'ancienne mine de l'îlot noir, de l'autre côté de la ville. Compte tenu des énormes risques encourus, monsieur de Castellac envisage une forte rétribution. À bientôt. Tu le connais, ce de Castellac? Hein? Faut pas y aller, Jeanne. J'appuie le traquenard, c'est trop dangereux. Ma troupe est bloquée ou quoi? On a besoin de fric pour se protéger de ces merdasses de d'hommes. Tu comprends rien, le porc, hein? Te fais pas de bile, Paige. Ça va rouler. Si tu veux, j'y vais seul. Non. Ok, on y va ensemble. Mais je vais vous coller au basque. Et je vous demande pas votre avis. Segundo, check cet ordinateur et mets-y une version complète de ton logiciel. Jade, tu pourras y jeter un œil. Moi, je m'occupe de l'Overcraft qui est en rade. De Dieu. Heureusement que je suis là pour tenir tout en ordre dans cette baraque, parce que sinon... Ok, ça marche. Dans le fond, elle, dans le fond, ça va être l'antagoniste du deuxième jeu, mais elle, c'est pas vraiment une antagoniste puisque t'incarnes des pirates, fait qu'elle, c'est dans le fond, c'est une chasseuse de pirates. Vu que dans le jeu, t'incarnes une équipe de pirates, elle a fait juste chasser des pirates, puis les pirates, c'est pas vraiment des gentils non plus. C'est un peu comme les Sons of Anarchy. Les Sons of Anarchy, c'est des bikers, c'est des antagonistes, c'est des méchants, voilà. C'est un peu comme ça, personnellement. Mais personnellement, ça va être quand même intéressant, genre de Wild Drum, tout ça. Et là, j'espère que le 2, ça sera pas un jeu à fin de service. Ouais, le 2, c'est un jeu à fin de service, sérieux, là. C'est un des jeux d'Ubisoft que j'attends le plus comme le Messi, fait qu'il y a intérêt d'être bon, sérieux, là. J'arrive, Jade! Jade, reportage Enco a vraiment besoin de renflouer le terrain. Ok, c'est parti. Si tu veux mon avis, cap sur le garage Mamago. Tiens, on va aller voir le Mamago dépannage service. Ils m'ont fait rire, eux autres. Mamago dépannage service. Ouais, il est pas en forme, le chercher. Faut te lire jusque dans chez Mamago. Ils ont ce qu'il nous faut. J'aurais bien aimé aussi. Eh ben ça y est, fini. Oh wow. En rade. Oh, maudit Rafio! Et le garage qui est même pas à 300 mètres! Lol. Mamago, dépannage service. Viens te chercher, sale vis. Mamago, dépannage service. Je sais pas si on fait ça pour se foutre. Alors, de la gueule des Jamaïcains, mais gars, je sais pas, mais... Garage. Mamago. Mais bon, c'est le cas, ouais. Hé, ça marche! Ouais, c'est surtout efficace pour abattre les clients. Mais on voit que pour eux autres, ils se sont inspirés de la culture jamaïcaine, ça c'est sûr. Ils sont inspirés de ça c'est sûr. Faut sortir de cette boîte de conserve, Jade! Mamago, dépannage, service! Oh, ça commence à sentir le jambon fumé! C'est surtout, sont inspirés de ça, c'est surtout de leur façon de parler. C'est vrai, je pense qu'ils sont inspirés de Bob Marley. Ils ont vu Bob Marley, ils trouvaient ça drôle, puis ouais, ils sont inspirés de ça, là, c'est...
On va le prendre en photo. Identifié, daté. On va même prendre Paige en photo. Voilà, on va prendre Paige en photo. Parfait, je l'inclus dans la liste. Voilà, c'était tellement longtemps ce jeu. Ce jeu, je le mettrai pas. Cette vidéo, je la mettrai pas visionnable pour les enfants parce que voilà, moi personnellement, je considère que ce jeu ne peut pas convenir à un jeune public. Mais bon, c'est le cas. Et nous, YouTube, ils feront le tir. Mais bon, whenever. Mais bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, les potos. Et si c'est le cas, des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Ainsi qu'un abonnement à ma chaîne, si mon contenu vous plaît en règle générale. Et si c'est le cas, des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Ainsi qu'oubliez pas d'activer les notifications si vous voulez manquer de mes vidéos, bien sûr. C'est toujours à vous de voir, de votre côté, évidemment. Et sur ce, les potos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Gizmo64, on se retrouve très vite. Allez, ciao!